Bien, bonjour à tous, c'est DarkSLB, c'est Basti Power et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série sur la chaîne qui est nommée « Quel est le meilleur vélo ?» Et donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier épisode et on va s'intéresser à la marque BMC. Donc cette série en fait, ça va consister à quoi? Ça va consister à vous présenter plusieurs marques de VTT. Donc ces marques, elles vont être environ 25-30 marques de VTT. Je vais toutes vous les présenter par vidéo, en fait, une par vidéo. Et vous ferez ensuite votre propre opinion. Donc moi, je me contenterai de vous présenter les VTT de descente, donc c'est-à-dire DH et Enduro. Donc chez BMC, on a les All Mountain, donc qui font office de descente. Puisqu'on va pouvoir voir que les VTT de descente chez All Mountain, ça va être leur modèle de descente. Donc là, vous pouvez voir qu'on arrive dans le All Mountain Series. Donc alors, premier VTT de chez BMC, c'est le Trail Fox. Donc vous pouvez voir les petites caractéristiques ici, géométrie spécifique e-mountain bike, pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout simplement un VTT électrique, comme vous pouvez le constater. Donc, il y a un système de suspension, bien entendu, qui est réglé en fonction de ce e-bike, puisque c'est différent. Et donc là, vous pouvez le voir sous une couleur et sous une autre couleur. Donc, ça, c'est le premier modèle du Trail Fox. Ensuite, le second modèle de Trail Fox, c'est le AMP SX. Donc, c'est toujours un e-mountain bike. Et cette fois-ci, vous pouvez voir en couleur bleue. Donc, ce modèle-là, il a à l'avant une Fox 36 en 170 mm. Donc, ce qui est vraiment super bien pour un enduro. Et à l'arrière, il a une suspension de 150 mm, ce qui est vraiment aussi très très bien pour un enduro. Après, la capacité électrique, je crois que c'est 150 kWh, quelque chose comme ça. Et il a des freins Magura MT7, ça fait clairement le travail, je peux vous dire. Du coup, on a fait le tour de ces deux modèles. Et du coup, le tour des VTT Enduro et DH, puisque DH, il n'y en a pas vraiment chez BMC. Mais en tout cas, on a fait les VTT de descente chez BMC. Donc, j'espère que ce petit concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si d'autres épisodes vous intéressent, sur quelle marque. En tout cas, moi, je vous dis à une très prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu. Ciao, ciao.